Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un Smash Burger. Donc déjà on va faire des courses tous ensemble. Et assez blagué, on se retrouve de suite après le générique pour la recette du Smash Burger. Restez bien sûr jusqu'à la fin. Cette vidéo va être géniale. Voilà. A tout à l'heure les amis. Déjà, tu peux un burger, on prend lequel? 1,23, 1,63. Je sais pas lequel prendre. Bon, écoutez, je prends celui-là. Bah les couilles. S'en fout, on prend celui-là, il est très bien. Marque classique, Jabrio. Ok. Ensuite, il me faut du cheddar spécial burger. Oh, j'ai trouvé mon bonheur. Le pâturage a l'air d'être très bien pour ces burgers, il est excellent. Allez, on part sur celui-là, il est nickel. Ensuite, nos fameux petits steaks hachés. Pure bœuf. C'est très bien ceux-là. Ils sont au top. Allez, hop, on part sur ceux-là. Un petit oignon, il nous faut. Et là, on va prendre aussi une tomate. J'arrive même pas à l'ouvrir. Putain, je suis mauvais. Mais mon Dieu, qu'il est nul! Mais mon Dieu, qu'il est nul! Oui, c'est horreur. J'y arrive pas. Allez. Nos petites tomates qu'on aime et qu'on adore tout le temps. On va en prendre deux, comme ça au moins ce sera parfait. Nickel. Des oignons. La sauce barbecue, y a rien de mieux. On va prendre celle-là, elle est top. Regarde, elle est trop bonne. Voilà, ça c'est bon ça. Bon, bah ils sont pas d'onion rings, du coup on va aller en caisse, on va les payer tout ça. Et c'est parti, go faire le Smash Burger. Let's go. Donc les amis, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de la sauce barbecue ou ketchup ou mayo, que ce que vous voulez. D'un oignon. D'une tomate. De pain hamburger, peu importe la marque que c'est. Steak haché et de cheddar. Donc on va attaquer par découper les oignons et les tomates en premier. C'est parti. Donc les amis, on commence par couper cette belle petite tomate que vous voyez là en rondelles, comme ça. Comme ça, voilà. Des belles petites rondelles. Soyez surtout jouer, soyez généreux avec la chair de la tomate. Franchement, ça, c'est des belles petites rondelles, comme vous voyez là. C'est nickel. On prend ce bel oignon qui est là. Maintenant, je vais l'éplucher. Oh putain, ça va me faire pleurer comme la dernière fois avec ses poils de merde. Je sais que Denis Brognard, il va dire ah, parce que j'ai dit que c'est des poils. 3, 2, 1, ah. Ah! C'est pas facile, hein. Bon, écoutez. Oh, je suis pleuré. Là, celui-là, il est fort. Il est plus fort que la dernière fois que quand j'ai fait un autre qui fait ça. Celui-là, il est vraiment, vraiment fort. Celui-là, il est vraiment en train de me faire chier, ce con. Vous voyez pas ma gueule, mais j'ai les larmes aux yeux. Et merde.
Voilà. Bon, écoute, on va rester comme ça. Ok. Ensuite, on coupe cette partie-là. Cette partie-là, elle est dure, les morceaux de dur, vous voyez, comme ça. On dirait des fesses. Ah merde, la lumière s'éteinte. Il n'y a plus de batterie. Super. On dirait des fesses, les gars. J'essaie de l'allumer. Ok. Je vous la rallume parce que sinon vous voyez rien. Les gars, on dirait des fesses. Non. C'est des fesses. Donc on coupe cet oignon. Comme ceci. Il n'y a rien de meilleur que l'oignon craquant dans un burger. L'oignon, c'est ce qui fait toute la différence dans un burger. Voilà, je pense que je vais peut-être même en faire deux ce soir de burger. On a vraiment de quoi faire. Et ça dépend. Peut-être qu'on va faire caraméliser un peu l'oignon. On va le faire cuire un petit peu. Ça pourra être sympa. On se retrouve de suite pour la cuisson des steaks hachés. Donc, pour les steaks hachés, vous allez avoir besoin de cette poêle-là, d'une grosse poêle qui sert à assommer Lionel quand il est passage. Ouais, c'est marrant. D'une petite poêle, ça c'est quand je suis moyennement sage, mais pas trop non plus. Là, il y a bien suivi la marée. Ça servira à m'assommer si on sait jamais. Donc celle-là, ça va servir à faire revenir les oignons. Un tout petit peu, ça pourrait être sympa. Et celle-là pour rester cachée avec le fromage par-dessus qu'on va faire fondre par-dessus, ça pourrait être très très sympa. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans les deux, ça pourra rajouter un peu plus de goût. Voilà. On fait tourner. Voilà. Donc, on va allumer le gaz. Maintenant, il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Bon, écoutez, on va utiliser qu'un seul, on va faire les deux petit à petit. Ah, bah j'ai réussi. Voilà. Ensuite, dans une, vous allez mettre. J'ai mis 2 minutes pour allumer le gaz, ça va pas. Vous allez mettre vos oignons dans une. Voilà. Vous allez mettre. C'est caché.
Bon, écoutez, le fromage, on le mettra après. Et on va laisser cuire tout ça tranquillement. Et vu qu'on va faire des fast burgers, on va les écraser. J'ai glissé, chef. Bon, il manque un truc. Un peu grillé les oignons, vu qu'on n'avait pas trouvé d'oignons grillés, on va les faire griller nous. Pas trop cuit, mais un petit peu grillé. En tout cas, ça sent trop bon ici. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je vais me régaler. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Chez moi, je vais me régaler. Pour les oignons, c'est beau comme ça. Et on va se retrouver de suite pour la préparation. Donc pour les burgers, on va prendre le pain, de frites. Voilà, bon petit pain comme ça. Bon, vous vous faites griller si vous voulez, moi je ne le fais pas griller. Au carnage. Au secours, Marie-France. On prend notre petite sauce barbecue. C'est une catastrophe. Ça sent le carnage, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir une catastrophe. La vidéo est trop belle. Oh, bah les couilles. Putain, c'est pas du plastique qu'ils ont mis, c'est du béton. Limite, on va dire ça, comme ça, ils ouvrent pas leur sauce barbecue, les mecs. Ils sont tranquilles, hein. Alors, franchement, plus que ça, tu peux pas, hein. Alors, en tout cas, elle est trop bonne. Ah, j'ai pas pris de la merde. Hein. Remets le capuchon. Chaque passade, bien sûr, soyez bien généreux sur votre sauce barbecue. Voilà.
Ah, Yone et Sim, c'est le Smash Burger Barbecue. BBK. BBQ. Smash Burger. Ensuite, je reviens. On fait. Merde. On fait un petit cut et j'arrive. Donc, on se retrouve avec nos steaks hachés, nos fromages, nos tomates et nos oignons. Merde, il y a un truc qui est tombé. Donc, avant toute chose, avant de mettre vos steaks hachés, n'oubliez pas de les saler. Sinon, ça n'aura pas de goût. Et si vous voulez manger sans goût les steaks hachés, c'est votre problème. C'est pas les oignons, c'est pas mes oignons, c'est pas mes histoires. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, vous mettez là sur 1. Mettez le premier steak haché. Ensuite, on va balancer une petite tranche de fromage de cheddar. Bon cheddar, vous voyez. Des petites tomates. Voilà. Quelques oignons. Voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je vais me régaler ce soir. Petit festin de roi. Un double smash burger, je vous ai fait. Je vous l'ai dit, j'allais faire du burger. Voilà, un truc comme ça. Magnifique. On rajoute quelques petites tomates dessus. Quelques petits oignons. Nos petits oignons favoris. On referme le burger. Et regardez-moi la taille de ce burger, c'est magnifique. Je reviens, je ramène tout à la cuisine, et juste après on mange. On se retrouve, j'ai tout ramené à la cuisine, maintenant on est tranquille. On va pouvoir déguster ce magnifique petit burger. Smash burger. Une dinguerie. Non, ça régale. Refais ça chez vous, c'est un régal. Il y a tout qui se barre, mais c'est pas grave. Franchement, c'est une pépite. Goûtez-moi ça. Faites ça chez vous, mais écoutez-moi ça, obligé, obligatoirement. C'est une dinguerie, et c'est une dinguerie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok, à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner à ma chaîne Twitch, et pour la finition, on balance la pub, les copains. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. A plus les copains. Bisous. C'était Yonelissime. Et n'oubliez pas de refaire la recette, de la poster avec le petit hashtag Yonelissime. Bisous à tous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher le pouce bleu et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos.